Bonjour, je suis Laurence Lefebvre et avec ma sœur Liliane Korb, nous constituons le tandem Claude Isner. Nous avons écrit une série qui s'appelle, qui est la série des Victor Legris, qui sont les aventures d'un libraire à la fin du 19e siècle. Et nous publions cette année le début d'une nouvelle série qui se situe 20 ans plus tard, on va dire, dans les années folles, dans les années 20. Et le héros est un pianiste, un jeune pianiste américain, émigré à Paris, donc juste après la Première Guerre mondiale, et il joue du jazz. Il est engagé dans un cabaret de la rive droite, dans un petit cabaret un peu miteux de Belleville. Et là, il va se passer de drôles de choses. Il y a des gens qui disparaissent, qui sont apparemment tués, on ne sait pas si c'est des meurtres ou des suicides. Jeremy Nelson donc, est le héros de cette histoire, qui est le début d'une série, qui sera sans doute plus courte que la précédente. Et ce jeune pianiste américain, on va dire qu'il a du mal à survivre financièrement. Hein, il tire un peu la langue parce qu'il n'est pas très fortuné. Et il est menacé par la personne, on ne sait pas qui, tue ou intervient dans ce cabaret et fait disparaître des gens. Il se sent menacé, donc il se sent obligé de mener cette enquête à bien pour sauver sa peau, en quelque sorte. Pour des raisons un peu personnelles qu'on ne peut pas révéler parce qu'elles sont en quelque sorte liées à la première série, ce personnage, il devait avoir environ 25 ans, il fallait donc, sa date de naissance étant à la fin du 19e siècle, parce qu'il est déjà apparu en fait dans nos précédents livres, il fallait qu'on soit dans les années 20. Et on a décidé de choisir l'année 1921, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de choses sur le plan des variétés, justement à Paris. Il y avait notamment la fête des Cafcons, et on voulait parler de tout ça. Donc on a choisi l'année 21 et on ne l'a pas regretté parce que c'est une année un peu charnière. Il se passe beaucoup de choses dans le domaine musical, entre autres. Et puis ce sont les débuts du jazz à Paris et ça nous intéressait beaucoup. Ça a commencé par des lectures de romans et puis de journaux, beaucoup de périodiques de ces années-là pour nous mettre dans le bain de plein de choses. Hein, notamment de la langue parlée, parce que nous, c'est notre hobby. Il faut que les personnages s'expriment vraiment comme des personnages de cette époque, surtout les gens du peuple, hein, parce que nous, on est beaucoup chez les petites gens, hein, chez les gens qui mangent de la vache enragée et qui ont du mal à joindre les deux bouts, comme on dit. Donc il y a beaucoup d'expressions populaires, et ça, il faut les trouver dans les journaux, c'est formidable pour ça. Et puis on trouve aussi les parutions de livres, les spectacles qui se jouent, enfin beaucoup de choses. On fait des tas de recherches, on a fait des recherches musicales aussi parce qu'il fallait qu'il ait un répertoire, notre pianiste, et beaucoup de ragtime, puisque c'est le pas du renard, en fait c'est aussi le foxtrot. Donc il fallait qu'il y ait tout un répertoire, mais il y a aussi du classique, parce qu'il joue aussi du classique, et il rencontre quelqu'un, un jeune homme, qui fait le tapeur, comme on disait à l'époque, dans un cinéma muet. Donc il joue lui aussi du piano. On est beaucoup dans la musique, mais on n'a pas voulu du tout faire des cours magistraux, hein. C'est anecdotique tout ça. On essaye que ce soit léger, voilà. Un peu ambiance comédie musicale.